je voudrais, à ce jour, combien de fois, chargé d'émotion, aujourd'hui réunis dans le temple de la paix du Père fondateur du Parti de l'Unité et du Progrès, du feu général Lassana Kondé. Grand homme d'État, grand soldat, père de la démocratie en Guinée, vous souhaitez, au nom du camarade Elhadji Fode Bangoua, président du Parti de l'Unité et du Progrès, la bienvenue et un agréable séjour parmi les militantes, les militants, les sympathisants du Parti de l'Unité et du Progrès. Le bâtiment qui abrite la présente cérémonie, la construction a été décidée par le Bureau politique national. Après consultation des structures à la base de la Guinée forestière, la Haute Guinée, la Moyenne Guinée, la Basse Guinée et la zone spéciale de Conakry. Il est le premier d'un vaste programme de rénovation du siège du parti. La pose de la première pierre a été effectuée le 15 septembre 2020. Début de la construction et qui s'est achevée le 15 janvier 2021. Par décision numéro 02 du 17 septembre 2010, le président du parti a mis en place une commission de contrôle et de suivi des travaux de construction du hangar. Cette commission, présidée par son excellence, M. Jean Boursard, composée des ingénieurs du parti, Vassilé Bangoua, Nadis Sila, Sila Tigui et Haya Amira Tarfa, a réactivé le centre de la paix et de l'unité nationale, comme vous pouvez le constater, dans les règles de l'art, avec les capacités techniques suivantes: 35 mètres de long, 18 mètres de large, une hauteur de 4 mètres au niveau des poteaux, 6 mètres au pion. Avec une certaine prouesse technique, noyant les poteaux centraux pour répondre à l'esthétique et à l'utilité. Une superficie de 630 mètres carrés à l'intérieur, un débarras de 120 mètres carrés à l'alentour. Ce coupage a une capacité de 1250 personnes. Bâti avec un coût financier d'1,5 milliard de francs guinéens. Mesdames et messieurs, en vous renouvelant notre souhait de bienvenue, nous vous remercions de votre inestimable présence à notre invitation. Vive la paix et l'unité nationale. Vive la démocratie, vive la concorde nationale, paix à l'âme de notre regretté, le général Lassana Kondé. Je vous remercie. Il y a deux ans parti aujourd'hui à Guinée. S'il vous plaît. Au moins 75% vient de PIB. Ah.
Allô. Bonjour, bien là. Là, précisément, c'est le monde de l'île de Dieu. Nous tous, on a demandé ici, là où je suis assis, là, vraiment, je prends promotion. Quand je pense que mon ami, mon président, tout le temps, on vient ensemble dans la boule ici. Le pasteur qui a quelqu'un qui est ici, que je ne le connais pas ou il ne le connaît pas. Tout le monde, on est tous ensemble dans la grande boule ici. Donc, je vais rester avec vous longtemps, juste après cette cérémonie. Mais je viens d'avoir un contact ici. Je viens d'avoir un coup de pied. Je suis obligé de me rendre là-bas. Et sinon, on sera ensemble juste après que cette cérémonie. Mais vous voyez, quand tu as d'autres contrats, tu es obligé de répondre. C'est tout ce qui fait qu'on a reste pas anticipé pour que je prenne la parole avant. N'est-ce pas le programme, le programme initiative est déjà très établi. Donc, je remercie tout le monde. Et je vous félicite. Le chef de l'État, à mon nom et nom de tous les conseillers, qui sont dans mon cabinet. Et ce soir, quand j'ai commencé le tournée d'aller visiter les partis politiques, c'est le premier parti que je suis venu visiter. Moi, je sais pourquoi j'ai fait cela. C'est pour ma vie que vous venez visiter aujourd'hui. Je suis obligé de venir répondre. C'est un devoir pour moi. Donc, parce que on est ensemble, j'ai visé l'autre fois, et même ma fille et papa, deux fois, on peut vous séparer. Chacun va chercher de quoi, chercher de quoi bien-être. Mais, en plus, j'allais revenir. Ensemble, encore continuer, travailler ensemble. PIP, c'est ma maison, je ne sais pas demain, qu'est-ce qui peut se passer. Vive le PIP! Vive le PIP! Merci. Pourquoi demain, on ne se donne pas la main et qu'on soit dans le même bâtiment comme hier? Tout est possible dans la vie. Donc, soyez rassurés. Je suis à la Sina d'hier. Je suis à la Sina aujourd'hui. Et moi aussi, je serai le même. C'est pour dire que nous sommes ensemble et ne pas se séparer. Et féliciter de tous les travaux que vous avez fait. Monsieur le Président, pour le Bamba, a pu travailler avec son bureau politique et le parti pour faire le bijou là pour le parti. Et même, là, il faut avoir partir, mais c'est une bise là aussi.
Ça, c'est très important. Il faut qu'on le vérifie très sincèrement. Et encore une fois, je vais laisser tous mes conseillers ici, tous ceux qui m'accompagnent, parce que je suis appelé sûr. Donc, je veux partir. Et à bientôt. Merci beaucoup. Aussi, incliné pieusement devant la mémoire des premiers secrétaires généraux de ce parti, je veux penser à Hélène Boubacar Sompare, mais avant lui, il est encore vivant, Hélène Biro Diallo. Et je voudrais rendre hommage également à tous les anciens. Merci Hélène Bagiré Diallo, mon frère et ami. Merci pour la reconnaissance que vous venez d'exprimer ici. Tant à vous, monsieur le président du parti de l'unité du Congrès, à tout seigneur, tout honneur. Il y a des partis dans ce monde de l'ici en Guinée qui ont existé, qui ont été forts, mais qui ont péri après leur père fondateur. Le PUP, à la personne de Côte d'Ivoire et de vous tous, militants et militants du PUP, vous avez relevé le défi. Le défi du courage, de l'honneur, de la dignité, pour persévérer, pour continuer l'œuvre du général Lansana Conté. Merci à Côte d'Ivoire. Votre courage a été couronné de succès. Je m'arrête là, vous savez, je n'avais pas le temps pour. Yanti alano anadra fera ona nanne musa bimanye tosa wipinde nanga nanga allah kode panguna anu ako astafema ti piri jine kame timedi amu ori aussi de l'honorable Banuré qui a été dans
la première négociation politique au palais avec nous. C'est un plaisir. Quand on parle d'un parti, c'est les femmes. Et j'ai une maman au PIP, c'est Hadamam, avec qui j'ai fait beaucoup d'années à la CENI. Je suis content d'être parmi vous. Je vous félicite pour ce qui est fait. Pardon, faites tout parce que le PIP ne doit pas mourir. Merci beaucoup. Si on contribuait à faire de ce ciel, ce rêve longtemps caressé, une réalité pour notre parti, le parti de notre vénéré président général Lansana Conté. Vive le PIP! Merci, monsieur le président. Que son âme repose en paix dans nos cercles paroles. Vous me permettez également de rendre hommage à nos juges compagnons de route disparus, hélas, au cours d'un long chemin que nous avons parcouru ensemble, main dans la main, dans la création, la consolidation et la pérennisation de notre parti, le PIP. J'adresse un chaleureux remerciement à tous les membres de la commission de supervision des travaux qui ont été dirigés par le ministre Jean-Paul Sartre. J'associe à ces remerciements la présidente nationale des femmes, Hadja Fatoumata Sartou Touré, le bouillant secrétaire général Asseni Koché Camara et à un monsieur généreux, humble, mais un militant sincère. Je veux nommer hélas membre du comité central. Merci, merci. Je remercie également M. Nabi Lai Sila, entrepreneur, membre du comité central, maître d'œuvre de ce bijou qui nous abrite aujourd'hui. Je n'oublie pas mon professeur, le Bouyam Moyen, le président du conseil de veille et de médiation, l'homme qui a tous les dossiers du parti et qui sait encadrer les jeunes et l'âge Babiré Diallo. Mes remerciements vont également aux vice-présidents coordinateurs régionaux et à tous les membres du bureau politique national. Je remercie également la respectable famille du feu général Lansana Conté. Aujourd'hui, j'ose affirmer avec légitimité, avec fierté, que c'est fini la location des hôtels pour tenir nos réunions ou nos instances du parti, conseils nationaux comme moi. C'est fini également les différentes locations qui doivent abriter nos cérémonies. Camarades militantes et militants, voici votre siège national. Vous devriez protéger animé. Je vous invite à l'entretenir avec toutes vos forces et de vivre le PIP. Je remercie également ces femmes, ces vieilles dames, qui, depuis le 15 septembre jusqu'aujourd'hui, préparent pour les ouvriers et pour nos voisins. Il y a même un petit slogan
que les gens, que l'entourage a créé, c'est le ciel du PUP qui est nous maintenant. Parce qu'il y a tous les jours à manger. Mesdames et messieurs, notre parti est un parti d'opposition, mais réaliste, et qui a une connaissance des réalités du pays. C'est pourquoi notre ambition est de forger la cohésion sociale, permettant de réduire les inégalités et du coup éviter les frustrations. Le pari que les responsables actuels du pays peuvent gagner est de relancer notre formation politique pour la hisser au niveau qu'elle avait en 1998. Pourquoi 1998? Comprenez-vous la photo de l'image du stade qui s'étale avec ce pigeon sur le micro du général Lamsana Kwame. Chers amis, ceux qui pensent que le parti PUP est mort se trompent lourdement. Les slogans des militants suffisent comme preuve. En effet, au cours de notre tournée dans le pays profond, il n'était pas rare d'entendre ici et là, le lion s'est réveillé. Le train de l'espoir a démarré et terminé chez Sékou-Touré. Tu veux dire en langue manica, la vérité a dévoré le mensonge. Comme la foudit, qui signifie en langue poula, la vérité a germé. C'est à l'abbé que nous avons entendu. Ce sont là des témoignages éloquents pour notre peuple. Le but, il vit bien, n'en plaise à ses détracteurs. Ici, nous ne sommes ni au cimetière, même s'il est à quelques mètres de nous. Nous sommes bien au siège du PUP et non à la mort. Distingués êtres, responsables des partis d'amour, j'ai l'honneur et le privilège de vous exprimer, au nom des militantes et militants du PUP, notre gratitude pour avoir accepté de célébrer ce jour mémorable avec nous. La direction nationale du PUP apprécie à sa juste valeur votre présence parmi nous. Encore une fois, soyez-en remerciés. C'est l'occasion pour nous, en ces moments difficiles que vit notre pays, de faire appel à toutes les forces vives de se retrouver pour préserver la paix sociale et l'unité nationale durement maintenue. De cette tribune, à la place de mes illustres prédécesseurs, je veux nommer Elhadj Aboubakar Diro Kalou, Elhadj Aboubakar Sompa, El Sékou Konaté, Elhadj Moussa Sobhadou, tous Elhadj. Je m'engage à respecter les idéaux chers au père fondateur de notre parti, le général paysan, général Lansana Kone. Camarades militants, militantes, merci de votre soutien. Soyez et soyez convaincus que je suis et resterai votre fidèle serviteur pour que vive le parti de l'unité. Encore une fois, merci à nos camarades militants et militantes qui sont venus de Makarenda, de Koya, de Tondo, de Lebrek, de Koba. Merci à vous tous pour ces kilomètres partout. Je souhaiterais, pour les prochaines assemblées générales, que ce siège recoule du monde. Vive le PUP et vive le père fondateur,
le général Lansana Conté. Il vient, il est parmi nous.